Une petite lulie qui fait des beaux sourires. Iiii. Et moi, tiens, wouh! Hey! Ta minute. Alright! Salut! Courrier du jour! Lendemain de victoire du Canadien! Victoire de 4-3 contre les arbitres d'Ottawa. Alors, je commence. Je me garde la surprise pour la fin. On reconnaît ici, en tout cas, toi, tu te reconnais. J'ai même un timbre utilisable! Donc, je commence de Andrew Balder. So, I'll start in English. From Andrew Balder. Balter. Sorry. I always do the same mistake. So, from Andrew in... Island in California, in around San Bernardino. So I have here Time Warner cable, in which I have. So I hope you enjoy the playoff from now. Oh yeah, a nice Curtis Lazar Young Guns for my PC. So even if he's in the enemy club, on va le setter pour les Sens. Ça arrive pas souvent. Sens, c'est 42. Attention, 42. So, this is how it sounds when the Sens will score in Ottawa. So, thanks. Thank you very much, Andrew. So, I will let you know that I got your card and you will see the video anyway. Alors, les autres qui ne connaissent pas Andrew Balter, B-O-U-L-T-E-R, J'ai tenté le coup, j'ai fait le trade, puis très satisfait. Dire, lui, il a reçu une belle Tanner Pearson auto, puis moi, je reçois une belle Curtis Lazar Young Guns Canvas. So, for the one who didn't know Andrew Balter, B-O-U-L-T-E-R, he's in California. Okay, it's far, but it takes what, around 10 days. So I didn't know him. So I took a chance. He got my card 2 days ago, and I got him his 2 days. So it took, like I said, around 10 days. So thank you very much, Andrew, and wish you the best in your future trade, and maybe we'll do some more. Andrew is collecting mostly LA Kings, so just let you know. Alors, Andrew collectionne surtout du Kings, okay, étant donné qu'il est en Californie. Alors, celle-là me vient de mon ami de longue date. Pas de longue date, ça fait pas si longtemps. Quoi, 2-3 ans maintenant qu'on se connaît, Alex? Alexandre Hockey Card Junks, Alexandre Tremblay-Martel de Jonquière, donc notre king de Jonquière, qui nous fait, avec un beau thème réutilisable, qui nous fait le plaisir de toujours nous faire des petits cadeaux ici et là. Donc, c'était quoi? Ah oui, c'était la carte de Patrick Roy que j'ai achetée. Donc, on va vous montrer ça. On va juste essayer de trouver, ça commence où? Ça commence ici. Voilà. Hein? Tiens. On va se faire des stripes. Et non. Moi, c'est des sabres. T'as envie de m'épiler mes jeans, tout le monde? Mais moi, c'est des sabres. Quand tu y es. So, Alex, for the one who doesn't know Alex, Alex is... He's a young man. I made a lot of business with him, and because of that, now he
he always gives me some extra gift, which is really appreciated for my collection. La 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 la. Okay. Tu devrais peut-être mettre du tape d'hockey à l'avenir, hein? Vous dites comme ça, moi je pourrais taper des bâtons. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. There we go. Finally. Je prends pas grand chose, ça me dit les enfants. Hein? Ils doivent être en dire, donc ils sont si pauvres que ça, eux autres. Ils dépensent son argent dans les cartes. Ils n'achètent pas de cadeaux aux enfants. Donc, mes enfants sont très gâtés pourris. Ils sont très, très gâtés pourris. J'envoie ma fille, ma grande fille de 8 ans, dans un camp de jour au Musée des Beaux-Arts, juste pour vous donner l'idée. Donc. Voilà. En fait, j'essaie d'offrir à mes enfants ce que je ne les ai pas eu dans ma jeunesse. Puis je veux montrer que le fait d'avoir 3 enfants ne constitue pas une excuse pour ne pas leur offrir des petites joies et des bonheurs et de les gâter comme ça. Alors, so from my best. Trader Alex de mon un des meilleurs traders Alex. Y a-tu une carte là-dedans? Si épaisse que ça. So pretty nice Timo. Y a presque une carte là-dedans. Cadeau. Cadeau. Ouais, y a plus une carte là-dedans. Donc, sont-ils pareils, ceux-là? 2 Timo Pulkkinen. On les voit bien. On va aller vous montrer ça. 2 belles Timo Pulkkinen comme ça. Tiens. Ici. Ici, il y en a juste un. C'est fort, là. Je pensais que tu m'en donnais juste 2. Donc. Il m'en a donné 2 chaque. 2 qui est Carly and Croc comme ça. Donc, tous des gars que je PC. La Patrick Roy que j'ai acheté. Et ça, c'est de l'inattendu. Encore des cadeaux, comme il dit. Donc, Alex, qui hier a pogné une super. En fait, 2 superbes cartes. Je sais pas si c'était un break ou quoi. Il a pogné. On commence par la moins haute. Trevor Van Riemsdyk en Nocetat. Et une. Ça, vraiment, là, c'est. Écoute. C'est de l'inespéré. Déjà que tu pognes une Nocetat, c'est gros. Il y en a pogné 2. Il y a pogné l'autre, c'est. Nightloss Young Guns de Yevgeny Kuznetsov. Fait que c'est vraiment nice. Je suis vraiment content pour lui. T'sais. Regarde, il vend jamais cher. Tu sais, c'est un bon petit gars. Fait que. Nice. Donc, je vous montre sans plus attendre. Donc, Time Again en Artifacts sur 999. Ici, sur 399, on a Mike Almo, John Person et Brett Gallant, les Islanders. Dans le Hot Prospect Trio, c'est cette année, ça, 2014-2015. Une Beau Horvat, Team Canada Junior, qui s'en va dans mon PC. Timo Pulkkinen, il y a Black Diamond, Triple Diamond. Et pour terminer, le dernier, non le moindre, la petite bombe énergétique du Canada, Max Domi. Qu'on dit avoir des problèmes de santé, donc peut-être qu'il n'y aura pas une longue carrière. Qu'à cela ne tienne, il nous a offert un World Junior Championship écœurant. Alors, voilà, donc... Ben oui, je vais éteindre la vidéo, on va partir, je vais l'éteindre là bientôt. Donc, c'était le courrier du jour. Il y a des envois que j'attends. Je pense à Kevin Lorty. J'ai participé à un Raz la semaine passée. Il y a maintenant 8 jours, 9 jours, on est le 16, 9 jours.
Donc, ça fait 8 jours que c'est parti. Donc, ça devrait finir par rentrer m'amener de Montréal à Montréal. Généralement, c'est pas long. Donc, ça va finir par rentrer. Fait que sinon, on m'a viré fou. Donc, une gâchée que j'ai tout acheté spot. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey, Chris, t'es bien cave. Tu peux te donner une pour 25$ sur eBay. » Je l'ai pas vu, moi. Fait que c'est ça, ce soir, ceux qu'on n'a pas vu hier vont jouer ce soir, et... Excusez! Ouais. Qu'est-ce que j'attends d'autre? Alors, j'attends encore quelques trucs, là. Dont Alex, cette nuit, j'ai acheté une Galchenia Young Guns, alors... la semaine prochaine, on va encore avoir des nouvelles d'Alex! Alors voilà, c'était le courrier du jour. On ne fait pas de spécial aujourd'hui. Demain, j'essaye de vous faire un petit spécial avec un invité très très spécial, mais je peux pas vous en parler parce que imagine si ça peut pas se produire. Parce que là, j'ai une petite fille qui commence à faire des plaques roses. Si ça sort en fièvre, je pourrais pas sortir. Donc voilà, il est midi, je vous laisse aller manger, je transfère ça, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à regarder mes vidéos que j'en ai à les faire. Et puis c'est ça, écoutez, si vous voulez trader, je suis ouvert. Là, je suis parti en malade sur du Galchenyuk, du Price, on sait pourquoi. Puis je ramasse du Patrick Roy. Ok, on s'en va pas là. Je ramasse du Patrick Roy dans une forme du Canadien surtout. Pour un, en fait deux, peut-être même 5 de mes chums. Alors c'est ça, mes chers amis collectionneurs, ceux qui m'aiment moins et qui me regardent pour mieux m'haïr. Et les autres, bonne journée. À bientôt. C'est dur.